Oui, allô, j'aimerais commander une pizza. Des anchois avec votre pizza? Ouais, avec ben des anchois. Est-ce que ça va être tout? Oublie pas de me mettre ben du pepperoni pis du fromage, là, hein? Je suis navré, on en a plus. Hein? Comment ça, vous avez pas de pepperoni? Je mange pas ma pizza sans pepperoni. Monsieur... Vous allez en m'en chercher au magasin, là, pis vous allez me la faire comme je la veux, ma pizza. Monsieur... C'est-tu clair? Le chef est encore en train de s'ostiner avec le livreur de pizza. Ouais, moi pis ma femme, pis mes enfants, on est allés au lac aux Canards en fin de semaine, pis c'était vraiment extraordinaire, là. C'est tellement émouvant voir des canards manger des graines. Moi, je dis que contribuer à notre système de réseau de prostitution pourrait améliorer l'alimentation des jeunes dans les écoles primaires et secondaires et universitaires et les clubs de l'âge d'or. Non, mais voyez-vous à quel point les médecins sont en désir profond de notre aide et de nos fonds et de vouloir piger dans les poches des contribuables. On n'a plus de budget pour faire face aux criminels. Il faut mettre de l'argent dans le système de la santé et de la protection des passants pour pouvoir être sûr que nos montagnes russes fonctionnent afin de pouvoir effectuer un carnaval de collecte de fonds. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire? Non, mais on s'en fout. You suck! C'est un vrai supplice, cette site. C'est plate. C'est plate. J'ai faim. C'est plate. Ça achève-tu, ça, là? Si j'aurais eu ma pizza au pepperoni comme j'aurais l'ai commandé tantôt, on n'en serait pas là. J'aurais pas faim. Je serais peut-être capable d'endurer ces conneries-là. Ben là, chef, qu'est-ce qu'il y a? Hey Matsuda, ta gueule, j'ai faim, je le dis, pis c'est tout. Ouais, moi pis ma femme, pis mes enfants, on est allés au festival d'Amélas en fin de semaine, pis c'était vraiment extraordinaire, là. C'est tellement émouvant voir de la mélasse manger des graines. Ah, une autre bonne journée de fini. V'là votre café, chef. C'est bien apprécié, ça, Matsuda. J'espère que t'as mis bien du sucre, hein, toujours. Ah, non. Parce que sinon, là... Ben, ça se peut qu'il y en ait un petit peu moins que d'habitude, là. Genre, pas pantoute. Quoi? Là, tu me déçois, mon petit Matsuda. Quand on fait un café... Faut s'assurer que la personne ait son sucre dedans. C'est important, ça. À part de ça, si tu fais en fin de semaine, Matsuda, vas-tu aller voir le lac aux canards comme je t'ai conseillé? Non, justement, je comptais y aller peut-être ce week-end. Ok, t'as-tu fini de remplir tous tes documents, là? Ben, tu feras ça, pis s'il te reste une fin de semaine, ben, tu iras au lac. Enfin, va voir rentrer chez nous manger ma bonne pizza. Ouais, moi pis ma femme, pis mes enfants, on a été cueillir des bleuets en fin de semaine, pis c'était vraiment extraordinaire, là. C'est tellement émouvant de voir des bleuets manger des graines. Parce que c'est important. Pis j'aime dire ce qui s'est passé dans ma journée. Hein? Ben, tout allait bien pour moi, jusqu'à ce que je commande une pizza pis y'ait pas de pepperoni. Ah, oh, c'est bien ça! Les choses ont empiré après ça, à un meeting plate, pis le comble, c'est que Matsuda a pas mis de sucre dans mon café. Maudit incompétent. En tout cas, Orson Welles serait pas content. Franchement, même moi, j'aurais fait mieux. Hein?
Tu devrais porter une plainte contre Matsuda pour qu'il se fasse renvoyer. Ben regarde mon petit gars, ça j'y avais pensé, mais c'est pas de même ça marche la vie. Matsuda est jeune, il fait encore des erreurs, je suis capable de comprendre ça. Je vais dealer avec le temps qu'il faudra. Il deviendra intelligent quand il deviendra intelligent. Ouais, moi pis la mélasse, pis mes bleuets, on a été cueillir des canards en fin de semaine, pis c'était vraiment extraordinaire, là. C'est tellement émouvant de voir ma femme manger des graines. Ouais,